Je crois en Jésus ressuscité d'entre les morts, monté aux cieux, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, c'est là ma foi, celle que je veux proclamer tous les jours de ma vie avec mes frères et sœurs. Mais je suis un peu comme Pierre et les disciples qui se demandaient entre eux ce que pouvait bien signifier ressuscité d'entre les morts. Si je suis, si nous sommes ton corps ressuscité, comme toi-même l'as dit, et je te donne ma foi, comment ne pas te reconnaître vivant en nous aujourd'hui? Comment ne pas te reconnaître ressuscité en nous quand nous faisons ce que tu as fait toi-même? Remettre des gens debout, tout faire pour les aider à vivre, à retrouver leur place parmi les hommes, tout mettre en œuvre pour les ressusciter. Alors shalom à toi, bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis en ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une joie encore de nous retrouver en ce matin. Une joie encore de proclamer en ce matin encore la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, dans nos maisons et dans nos foyers. Posséder cette résurrection comme il le faut. Et de par cette résurrection, pouvoir aider le prochain à pouvoir sortir de ces différents autres troubles dans lesquels il est, pouvoir sortir de cette mélancolie, de cette tristesse, de cette peur perpétuelle dans laquelle cette personne vit. Alors en ce matin, le ressuscité du troisième jour, le vainqueur de la tombe vient t'adresser à toi cette parole pour te fortifier en te disant « Je mets en toi cette capacité de pouvoir relever ton frère, de pouvoir relever ta sœur de là où il est, de pouvoir véritablement aller donner de la joie, de la joie de ma résurrection au prochain, pouvoir aller donner de l'amour de cette résurrection à ce frère, à cette sœur qui en a besoin, à cette maison qui n'attend que ça, qui a besoin de toi. Que tu franchisses tout simplement le seuil de la maison en leur disant « Recevez tout simplement, pleinement, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Proclamez tout simplement la résurrection du roi des rois. Proclamez la résurrection du sauveur de ton âme, l'époux bien-aimé de ton âme. Je proclamerai que tu je proclamerai que tu es vivant. Je proclamerai tous les jours de ma vie que tu as vaincu la tombe, que tu as vaincu la mort, que tu as vaincu les flammes de l'enfer. Je proclamerai tous les jours dans ma maison, dans mon foyer, dans ma nation, que tu es le sauveur de nos vies, que tu es l'époux de nos âmes. Je proclamerai tous les jours de ma vie tes hauts faits,
Au-delà du miracle, je proclamerai ce que tu es et ce que tu représentes pour chacun de nous. Je proclamerai la vie au sein de ma maison. Je proclamerai au nom de ta résurrection, je proclamerai la joie au sein de ma maison, de mon foyer. Au nom de ta résurrection, Seigneur, je proclamerai la tolérance, la paix au sein de toutes nos nations, au sein de nos pays, dans toutes les contrées du monde, de l'univers tout entier. Je proclamerai ta miséricorde et ta compassion aux âmes qui en ont besoin. Au nom de ta résurrection, je leur donnerai de ta miséricorde, de ta paix, de ton pardon. Je leur communiquerai la compassion que tu es et que tu as pour chacun de nous. Parce que nous savons qu'en toi, nous ne manquerons de rien. Alors pourquoi nous tourmenter? Pourquoi avoir peur? Pourquoi douter? Pourquoi se remplir de haine, de colère, quand nous savons que nous avons un puissant Dieu qui est là? Un puissant Dieu qui veille sur ses brebis, qui veille sur nous, ses enfants, qui veille sur ses promesses qu'il tient envers chacun de nous. Je proclamerai que tu vaincu, je proclamerai que tu as vaincu, je proclamerai que tu as vaincu, je proclamerai. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui m'a sauvé, c'est mon papa. Et le Dieu qui m'a béni, c'est mon papa. Et le Dieu qui s'est donné, c'est mon papa. Bien-aimés de Dieu, c'est dans cet élan d'allégresse, de joie, d'amour, de paix que je te souhaite de passer une sainte et excellente journée, toujours dans la présence du ressuscité du troisième jour, celui-là qui a vaincu la tombe, qui a vaincu la mort. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.